Les protections de manettes siliconées pas chères, c'est chez Gripcare. What's up tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien car pour ma part ça plutôt bien les amis. Et écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le nouveau DLC fraîchement sorti sur GTA 5 Online en réalisant un petit test de rapidité sur la piste de l'aéroport pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, cette nouvelle Pegasi Orisis qui a tout de même un prix de 1 950 000 $ non custom. Si vous êtes un abonné de longue date et un fidèle à ma chaîne, vous vous souvenez sûrement que j'ai déjà fait un test de rapidité sur ce même aéroport avec la Massacro de course qui à l'époque était orange, et je me suis dit que ça serait vraiment sympa de renouveler l'expérience avec quelques voitures de ce nouveau DLC. Voilà les amis, moi je vous laisse avec le test sur l'aéroport pour la rapidité. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture à un prix plutôt extravagant en commentaire. Je compte même d'ailleurs sur vous pour m'écrire votre avis comparatif sur cette voiture par rapport à Zentorno à 750 000 et une Adair à 1 million pour voir si selon vous la voiture vaut vraiment ce prix de presque 2 millions $. Moi je vous laisse sur ces images, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour soutenir mon boulot et faire évoluer ma chaîne. N'oubliez également pas de partager la vidéo et pour suivre la suite de mon aventure, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.